sky. All my dreamers, put your hands in the sky. One time. All my dreamers, put your hands in the sky. All my dreamers, put your hands in the sky. One time. For the bullshit that you came from, worked hard to get away from, but the devil's there and you just can't seem to shake up. For the long night that you stayed up, thinking about that paper. Question, make it, split it, light it, blaze up. From the mind of a stoner, from the mind of a stoner. Simple thoughts from a loner, simple thoughts from a loner. Just the mind of a stoner, from the mind of a stoner. Simple thoughts from a loner, simple thoughts from a loner. Yeah. Et ouais, comme vous l'avez vu, on est au Sneakerness à Amsterdam cette fois-ci. On avait fait Rotterdam, je crois, en octobre dernier. Là, j'attends énormément de l'événement, étant donné qu'on est au pays des Air Max One, on est au pays des événements. J'attends que ce soit vraiment big comme à Rotterdam. Il y a des gens que je connais un petit peu à l'intérieur, donc ça va peut-être être sympa de les rencontrer, de voir tout ça. Aujourd'hui, petit objectif, voir le prix des Yeezy Slide, parce que je trouve que c'est assez cher et j'aimerais bien en avoir une pour l'été. Regardez le prix des Travis qui sont sortis il y a pas très longtemps. Allez, c'est parti, on y va. Donc on commence, comme d'habitude, vous connaissez le stand Crêpe Protect. D'ailleurs, en vrai de vrai, je vais peut-être acheter des lingettes à la limite s'ils en vendent, je sais pas. Et comme ça, on va pouvoir essayer la machine qui est là-bas. Alors je vous ai déjà expliqué, c'est une machine un petit peu d'escroc, étant donné qu'il y a un nombre d'essais avant de pouvoir gagner. Donc s'ils ont mis le nombre d'essais à 1 million, on va jamais gagner. Bref, là dans le Sneakerness Shop, on va commencer à y aller tout de suite, on va voir. 35 euros, hi. I want to have a t-shirt, I think. Which one is available? This one? Those ones? But we don't have the box size anymore. Okay, do you have just a basic one in XL? You have one? Okay, thank you. Thank you. Enjoy. On a pris un petit t-shirt basique Sneakerness parce que la dernière fois j'étais dégoûté de ne pas en avoir pris un. On va le mettre ici et on y va. Vous connaissez forcément la Jordan 1 Union, 2500 euros. C'est un peu rush. On a de la chaîne Wotherspoon, alors je sais pas combien elle coûte. 900 euros. Je pensais qu'elle était beaucoup plus chère, mais elle est déjà portée. On a de la Travis, celle que j'ai à la maison, 350 euros. Et bah tu vois, je pensais qu'elle était vraiment beaucoup plus chère que ça. Et par rapport à l'année dernière, les Pata à 350 euros, qui était beaucoup plus cher l'année dernière, il y a deux ans. Non, moi je l'ai payé combien? 300 je crois. Je crois que j'ai payé 300 et là, on a des articles vintage, let's go. Alors, est-ce qu'ils ont des t-shirts cool? Ça sent la friperie. T-shirt Pata en XL, Team Pata, qui est très cool. Alors par contre, il n'y a pas les prix. Donc je pense que si vous voulez un t-shirt, faut pas se faire avoir. On a pas mal de petits trucs, on a même des pantalons. Et ça, c'est à la mode là, je connais pas la marque, je sais pas ce que c'est. La Jordan One Low, je sais pas c'est quelle taille. Taille 45 à 110 euros. Elle est pas très chère, elle est portée, mais franchement, elle est pas dans un piteux état. C'est pas trop mal, hein. À 110 balles. Ça, c'est une grosse dédicace à mon pote Mika, la Jordan 6 Oreo. Oh, ça date. À 250, c'est une taille 46. Ça, c'est quand j'ai commencé les baskets, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé de ouf. Des paires qui sont vachement portées, hein. Jordan 5 Off-White, ça doit être du 43, je pense. 42,5. On n'a pas forcément le prix. Qui est l'une des seules Off-White, d'ailleurs, que je trouve un peu bien. Le premier achat en event, vous vous rappelez. Gucci Mane, qui est pour les Celtics. Un short suprême. La Jordan 4, la Military Black, on aimerait tous qu'ils ressortent en 46 à 200 euros. L'état, il est quand même assez difficile. C'est pas ouf, hein. La colle qui s'enlève et tout, 200 euros. On a un petit stand de... Pour nos Français, on est obligé d'en parler. Larry Deadstock. Alors, Larry n'a pas l'air d'être là. C'est le premier mec à qui j'ai acheté une paire. Si on le croise, on lui dira. Qui rachète vos paires. Très, très cool. Qui était aussi là à Rotterdam, mais Larry n'était pas là. Là, il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. On a des paires de chaussettes. Alors, c'est pas les Yeezy Slide, ça, nos cartes. C'est pas ça. On va commencer à entrer dans le vif du sujet, je crois. On a de la Jordan One Low plutôt classique avec Jordan One Low Neutral Grey. Là, on a la Shatter Backboard. On monte avec de la Sakai et de la Dunk. Là, on a la paire de mes rêves que j'ai vendu et je suis dégoûté d'avoir vendu d'ailleurs. La Guava Ice, et si tu vas vers là-bas, on a toutes les Union. Sorti il n'y a pas très longtemps et il y en a beaucoup qui sont pas contents. Là, Jordan 4 Military Black et apparemment, elle est dans des états un peu miteux. Je trouve qu'elle est pas mal. Ça, c'est du combien? Du 45,5. Je trouve qu'elle est pas mal. Alors le cuir apparemment est pas bon. De la Yeezy Slide. How much are these? The size or general? General. 220. 220. Oh, it's okay. Donc 220 euros pour une Yeezy Slide. Excessif tout. C'est beaucoup trop cher. Continue. La Jordan 7 Pata, c'est une cata. C'est une cata. Par contre, ça a l'air assez quali au niveau des matériaux. Le daim est plutôt cool. La Jordan 7, c'est très difficile à porter aujourd'hui. Ça, qui a pris en code de fou la Rookie of the Year, personne n'en voulait. Et maintenant, c'est un peu la folie. Et après, dans tout le reste, on a des paires plutôt basiques. Il y a beaucoup de Jordan One Low. C'est ouf. La Shatter Backboard et la Neutral Grey est là. Première Travis qu'on voit du coup sur le stand, la Trainer, que moi j'aime pas trop, à 200 euros. Pour donner mon avis, je suis pas. Même en la voyant en vrai, je suis pas fan. Honnêtement, je. Pas fan du tout. Un truc qui vient à peine de sortir, c'est la dernière Adilette. Alors, du coup, je sais pas combien ils vendent ça. J'ai l'impression que c'est de l'impression plutôt 3D. Alors, je sais pas, je vais pas l'essayer parce que j'en sais rien. Ça a été un peu le truc du dernier moment. On a de la Dunk Union juste ici. Ouais, mais toutes les Travis qu'il y a, attends, viens. Ils ont même les petites tailles. Hi, can I pick one in my hand? Yeah, only if you.
put like yes, I just wanted to show the square. You don't have the one without the bubble fill. The infant one is without the bubble, you know. No, you don't have this? Oh, it's okay. How much are these? Which size do you want? I'm 11. Hi. Hey, what's up? How you doing? Good. I just want to show to see one pair, you know. The 11 I don't have, but it's 480. 480. Oh, okay. Okay. Thank you. Yeah, no problem. Thank you very much. I have this one. Yeah. I paid a little bit high on it, just to have the shoe before it release and show the video before. Ça c'était des gens du coup qui étaient là au Sneaker Mania. On a une petite paire à vous montrer après. Rien que de l'avoir dans les mains, ça me fait kiffer. Donc ça fait plaisir. On commence à connaître des gens et tout, c'est cool. Après on a de la Yeezy Slide, mais je peux. En fait, de base j'avais envie d'en prendre une. Me dire de mettre 200 euros là-dedans, même 150 euros dans une paire de claquettes, vas-y, on a la flemme. On repartira avec des Jordan New Balance protection pack qui est hyper cool, de la Travis qu'on va pas toucher, celle-ci à 2000 dollars. Ah mais je crois que là c'était le stand où on avait acheté une paire, je crois. Donc on a quoi? On a de la Cyber Monday, pour ceux qui se rappellent. J'avais fait un custom là-dessus, catastrophique. C'était une cata. Hi. How much this going for? I paid this in 2015, I think 90 euros. Yeah. And now it's what? 650, oh, donc 600 euros pour ça. Elle est encore là, vous vous rappelez? Je l'avais montré à Rotterdam, celle-ci. Mais du coup, apparemment, il n'y a pas ma taille, donc on prendra pas ce truc-là. On a du vintage. Alors, ça, c'est une belle veste en cuir Chicago Bulls. Je sais pas qui pourrait acheter ça. On a un petit t-shirt, je connais pas. Ah, si, c'est Titanic, ça. Regarde ce qu'il y a. Olé, le Planet Hollywood. T-shirt de Chicago, qui est vraiment cool. Celui-là qui est vraiment stylé. À 80 euros. Un petit t-shirt de Kobe, taille enfant. Un maillot de Dennis Rodman. Pour les fans de l'OM. Alors, je ne suis pas fan de l'OM, mais ceux qui veulent ça. How you doing? Non, 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 non. Et on a pas mal de tapis personnalisés. Donc là, je suppose que c'est des tapis. Ils sont sales, hein. Ils sont bien utilisés. Ouais. Vas-y, achète là alors. Non, vu ce qu'ils ont fait, je suis pas très fier d'eux. Après, on a gardé Mbappé, donc ça va. Mais fais quand même le brûler si tu l'achètes. Si t'as le choix. Brûle, vas-y, fais. C'est toi qui perds de l'argent, c'est pas moi. On a comme l'année dernière à Rotterdam, on a une galerie à l'intérieur. Alors du coup, je suppose que c'est là où ils ont mis un peu tous les artistes et tout. Donc on a des tableaux plutôt cool d'ailleurs sur Travis Jordan. Celui sur Jordan, il est pas mal. Avec une paire qu'on attend encore, la Black Toe qui sort. Je crois que ce sont des Français. Je dis pas de bêtises, on y va. Vous êtes Français? Vous étiez là à Rotterdam? Ouais. Je suis venu à Rotterdam, j'ai vu votre vidéo. C'est vrai, le collègue à moi qui fait ça en deux yeux pour rigoler. Et bah moi je fais des vidéos sur YouTube. Sérieux? Et ouais, bah regarde, on est en train là. On fait des petites vidéos. Si vous voulez le compte Instagram, il est là, on met le QR code. Et ouais, je fais des vidéos, on fait les événements, les chaussures. Bon courage. Nickel, allez, merci. Je vous ai dit que je connaissais des gens. Ils me connaissent pas, mais je les connais. Peut-être que cette paire, on pourra la voir après chez notre pote Lucky Dice. On verra. Normalement, s'il me la met pas à l'envers, ça devrait le faire. On a toutes les peintures en Gélus. Et là, c'est là où tu vas voir qu'on connaît les gens. Et là, on est au stand de Cam 15 avec Clément, qu'on verra plus tard. Ça va? Oui, ça va. Donc Cam qui est quand même assez reconnu en France, étant donné que ses tableaux sont... Elle a fait un vernissage, je crois, il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est Clément. Clément qu'on reverra bientôt, je l'espère. Et on repassera. Bon courage, on repassera. Et on repassera. Donc voilà, c'est plutôt cool. En fait, c'est horrible parce que j'ai envie de me racheter une paire de Jordan 1 Low. On va voir. Jordan 1 Low Soulfly, si je dis pas de bêtises. On ne saura pas le prix, mais je pense que personne n'en veut, étant donné que c'est un peu une cata. Et ça, je comprendrai toujours pas pourquoi... ça marche pas. Moi je trouve ça, c'est une paire cool. Mais ça doit pas coûter très cher, ça doit être dans les 100-120, un truc comme ça. On a de la Strange Love, si je dis pas de bêtises. On a de la Off-White après, tout là-bas. On a de la Travis en bas. Et ça, c'est sorti il y a pas longtemps. C'est la Shatterback Board. Alors par contre, ils ont remis du daim. C'est pas du daim ultra quali, mais la Golf. La Golf qui est hyper sympa. On a ici, on a de la Heritage qui sort assez souvent. 170 euros. Pardon, apparemment j'ai plus le droit de faire ce que je veux sur ma chaîne. On a ce qu'on a au pied. Regardez, on a mis aujourd'hui la Fire Red. Elle est ici à 550 euros. Sachant que moi, quand je l'avais acheté, si je dis pas de bêtises, elle était vraiment retail. Ça partait pour rien du tout. La Chunky Dunky, juste ici, qui est hyper cool. Je vais essayer de demander un peu plus les prix parce que j'ai pas beaucoup demandé là. On a de la Easy Slide 149. Je peux pas, c'est trop cher pour moi. On a également ici là de la Military Black 380 euros. Et là, ça va me hanter, hein, à 920 euros. Franchement, c'est horrible. J'aurais jamais dû l'avoir. Surtout que j'ai vendu à 800. Si je dis pas de bêtises, mais ça fait partie du jeu également. La Jordan 1 Low qu'on aime autant, toujours à 250 euros, juste ici, hyper cool. La Para, si je dis pas de bêtises, à 420 euros. Et une paire que je trouve cool, la 97. Alors je sais plus comment elle s'appelle, c'est la Aqua à 500 euros. 500 euros. Et là on a de la Travis, moi qui me cherchais tout à l'heure, à 360, Supreme également, hyper cool. Et ça, pour voir si ça a baissé en cote du coup. Alors je crois pas qu'on ait le prix. Non, on n'aura pas le prix, mais sa copine elle a 350, donc ça va être à peu près les mêmes prix. Ah, ça, il était également en Rotterdam. Ouah, c'est ce
genre de stand bizarre. Il y a vachement de Jordan One Low par rapport à l'année dernière. Ça, on commence à prendre du galon en fait, on commence à être à high show. Il y a beaucoup de perles, c'est dur de trouver un truc sympa. La Jordan 11 Low à l'ancienne, je me rappelle avoir fait mon premier camp avec mon pote pour celle-ci. C'était un fiasco total, c'était une cata. Là-haut, est-ce que tu vois la paire verte là-haut? Ouais. La Kobe, la Grinch qu'on a à la maison également. Je suis pas dégoûté de l'avoir payé aussi cher d'ailleurs, étant donné que bah, c'est ma seule. On commence à prendre de la place là, avec la Jordan One Low, l'Air Max One. On n'a pas vu beaucoup, hein, étant donné qu'on est à Amsterdam, je pensais qu'on en verrait plus. Peut-être qu'on va voir si on fait un peu plus d'even. On a de la New Balance 770, que je connais pas forcément, mais je monte pour nos amis Renard de chez Matuzumaki. De la Lemon, qui est hyper cool également ici. Oh, on a de la Jordan One Low Desert Hawk, Lens Mountain, je crois. Alors c'est quelle taille? Je crois que c'est ma taille. Hein. Il y a plusieurs tailles ce soir. 44, tu la vois à combien celle-ci? J'ai déjà à la maison, c'est juste par pure curiosité. Elle est pas si chère, je crois. 2,40. Elle est montée un peu alors. Elle était descendue grave à un moment. Je pense que vous pouvez la trouver beaucoup moins chère. Maison Château Rouge, Shutterback Board, Easy Slide, Off-White là-haut. Ah bah voilà. On demandait tout à l'heure l'Air Max One. Elle est là, l'Air Max One. La Chlorophylle 2.0, qui est plutôt sympa. En vrai, là, je suis plus en train de regarder. Il n'y a pas grand chose que je trouve hyper intéressant. J'essaie de voir. Alors, ouais, c'est une grande taille. Je connaissais pas cette dunk là, mais ce que je trouve cool là, c'est le petit souche à l'avant. Je sais pas comment ça s'appelle. What's the name of the shoe? Dunk SB, Eastern, something like that. Ah, ok. It's a collaboration with the Japan store, something. Ah, it's okay. That. So it's very limited, so. Quite. Ok, thank you. How much is this going for? 500. Ah, it's okay. Pour les Air Max One Lovers là. On a la paire que je mets tous les jours en cours. Ça, c'est ma paire pour aller travailler, 260€. Donc peut-être que je vais me faire insulter par certaines personnes. Je l'ai acheté 70€ je crois à JD. Je crois que c'était basé sur une Warache celle-ci, qui est plutôt sympa à 200€. On a de la Amsterdam qui est juste là, qui est hyper cool. Ça c'est sympa aussi, avec le Nike qui est print à l'intérieur. De ce qu'on voit, il n'y a pas plus que ça. On va aller par là-bas. Ah, c'est une Golf. Je me suis dit, je la connaissais pas. Jordan One Low Golf 185. Pour ceux qui kiffent les Jordan One Low et qui veulent pas mettre un gros budget, les marrons, celle-ci elle est cool à 170. Je crois que c'est la Mocha avec l'intérieur un peu doublé, qui est hyper sympa. Le dain il est ok, je vais pas mentir, le dain il est ok, et le cuir à l'avant il a l'air assez mauvais pour être totalement honnête. On a de la Master je crois à 770€ et de la Safari Pack. I really don't understand the hype behind this shoe. You don't? No, I don't. It's a grill, man. Yeah, but I don't like it. It's like, it's like you know when women have leggings to do some sport, you know, they have their animal, yeah. Safari. I don't like it. I don't understand, but it's okay. I like this so much. Much. It's too much. And that makes it great. Ah, it's okay. J'ai rien compris. On a de la Kobe juste là. Alors, je sais pas c'est laquelle. Est-ce que c'est la 9 celle-là? Ce serait pas la 9, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. 340€. On a de la paire qui est sortie il y a pas très longtemps pour mon pote Mika. Mika, je te jure, elle est bien. Prends-la. Elle est cool. Elle est cool. Elle est plutôt quali. Une paire que moi j'aime bien, mais que je trouve un petit peu cher. Je vais pas l'enlever parce que ça va tout faire tomber. La courte purple. La Easy Slide, comme je disais tout à l'heure, à 200€. Non, c'est mort. C'est impossible. Je peux pas faire ça. Ça, c'était cool ça. Palsé, je crois, à 215€. Et si on enlève là, c'est blanc dessous. C'est blanc et il y en a plein qu'on fait du coup. Bah, la Travis qui va sortir dans pas longtemps. Là, ils vont couper ici, juste là, et ça fait un peu l'effet Travis. On a de la Travis qui est juste là avec pour moi l'une des plus belles, la Air Force One. Mais bon, apparemment, les gens ne sont pas forcément d'accord avec moi. Alors, est-ce qu'il y a des trucs sympas? Oh, ah ouais, il y a un truc sympa. Il y a la Jordan 2 à ma manière qui est juste là. Et j'avoue que, si tu veux te montrer un petit peu mieux, j'avoue que je suis un peu déçu étant donné qu'ils ont réutilisé tout le pur un peu granulé qu'ils avaient déjà mis dessus. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient fait ça comme ça. L'une des Air Force One les plus quali, l'Air Force One Cara qui est hyper cool avec du velours côté juste là. Qui est hyper sympa. Et ça, vous savez à quel point je les aime. How much this going for? 450. Ok. 450€ que j'ai déjà à la maison, que je vais pas prendre. Mais je suis trop content. Là, vraiment, je suis trop content. On a plein de Jordan One Low OG. Alors, c'est normal, il y a de la hype qui revient. Et puis avec Travis, c'est normal que ça revienne. On a de la Jordan 2, 6 juin 87, avec un petit détail sur le 23 sur la languette là. La paire est plutôt cool. Hein. Bon, faut aimer le modèle. Mais sinon, les détails sont plutôt sympas. How much this going for? 150. With the Converse pack, the first Michael Jordan shoe, yeah. When he was in college, and then the Jordan 2 when he came into the NBA and everything. That's why they made the pack. I don't know how much pages they made, but there wasn't much. And nobody bought it because the Jordan 2 and the Converse, nobody is into the Jordan 2. And now they want the Jordan 2. They want it. But nobody has it because people who had it wore them. But they are pretty cool. Yeah, I like them too. Allez, on va montrer de la Travis parce que vas-y, on aime ça aussi. On a de la Travis Dunk ici, on a de la 720, on a un peu toutes les Travis. On a de la... Ça là, ça vaut 20€. Ça. C'est la première Easy de chez Nike. On a de la Dior juste au-dessus. On a de la... Je vais juste lui demander si je peux l'avoir dans les mains. Can I take this one in hand, please? Chicago Jordan 1. How much is going for? Is it worn once? Worn once, yeah. And 1,300? 1,300. 1,300€. 1,300€. Alors on va juste se faire mal. Ça va, c'était pas ma taille. C'est du 44,5. Là, on a la paire de mes rêves. La Jordan 1 Chicago. Are you hyped by the reimagined Jordan 1 Chicago?
No, I don't like the remake of the 85 with the leather. Yeah, the Amamanya one. I don't like it that much because I think it should be happening by this time and only happen to the OG pairs. So I don't like it. And in my opinion, to remodel every pair like every 5 years is too much. Yeah. One day, truc 300 euros au début, je me dis, mais il est fou lui quoi. La Jordan 1 High Shatter Backboard 2.0, je crois. C'est du 45 en plus, mais là, c'est aux alentours des 1000 euros. Il a un sacré stand, le bonhomme là. Il a un sacré stand de Boog, mais c'est hors de prix. Donc on va éviter. La Jordan 14, The Last Shot. En fait, j'aime pas forcément la paire, alors elle est à 300 euros. Mais comme c'est la dernière paire de Michael Jordan au Bulls, son dernier tir et tout, je pense que je l'ai retail, je pourrais la prendre. On a de la Denim, on a de la Travis, on a de la Fully Good, hein. On a de la Supreme, on a de la Union. It's good. La Jordan 11, alors je crois que c'est de la Autolay, je sais plus comment ça s'appelle. It's off. So, donc quand vous appuyez sur le moins là, ça va défaire un petit peu la paire. Et quand vous appuyez sur le plus, ça va faire la paire. Donc ça va avec un chargeur et tout. Ça fait un petit peu penser au truc de Retour vers le futur. Retail is 300, no? 400. And now it's 450. Allons-y. On passe derrière les stands. Ça devient très bizarre ce qui se passe. Et là, on va voir la paire de mes rêves. La Jordan 1 Low Travis Scott, pas encore sorti. 3K. 3K. I saw on post Instagram. La Jordan 1 Low Travis Scott qui va sortir. It's July 27, no? Yeah, July 27. July 27. The leather, you know, the thumb leather. Vas-y, rapproche-toi. Design actually and yeah. They changed this one. Yeah, they changed into the red one, of course. Yeah, bring the Wings logo. The Wings in it. Logo, of course, yes. The Wings and is the back. They have three laces. Three laces, of course, yes. Donc rouge, blanc, marron, and then bring back the insole with Travis Scott and yes, and things like this in it. Finally. Is it sure that they will release or? Yes, of course. Yeah. They're going to release. They're going to release all the the thank size you. Runs. This one is the Yeezy 1. There's the Yeezy 2. Yeezy 2. The price is 4,000. Those are my favorites. Okay, and you like more the Nikes or the Adidas ones? In general, Nikes. The Nikes? Nike, yeah. Oh, it's okay. I'm a Nike guy. Me too, unfortunately. Yes. Thank you. Thank you, and it was a pleasure. Success with your plugging. I hope so. Visit us to HOG Kicks. Donc voilà, on a eu entre les mains on exclut la Jordan 1 Low Travis Scott qu'on espère avoir un jour. Du coup, on n'a pas fait d'achat. On va aller par là-bas. C'est assez difficile de mettre un gros budget à chaque fois qu'on part en event. On a pris un petit t-shirt et là, on en a d'autres qui sont faits en collaboration avec les rings, je sais pas trop comment dire, avec un design un peu spécifique. Sur l'avant, le Sneakerness X Vreeling, je sais pas trop comment dire. Et après, on a, comme pour nos amis de chez Flub, Tom, etc., un atelier de, je vais dire une grosse connerie, un atelier de sérigraphie. Et où on vient avoir, vous voyez, le mec sur le dos, donc je trouvais ça plutôt cool. Moi qui aime bien avoir des petites choses qui rappellent justement les événements, là, les t-shirts, ça peut être cool. On a déjà pris un noir, on en prend un de couleur, et comme ça, ce sera très sympa. En attendant que les t-shirts soient imprimés, soient prêts, etc., on va repartir à la maison parce qu'on a les trains à prendre dans pas très longtemps. Et on se retrouve là-bas pour faire le bilan. Nous voilà à la maison pour faire le petit bilan. Avant de commencer ce bilan là, comme d'habitude, je vous montre et remontre les achats qu'on a fait. Le petit t-shirt Amsterdam Sneakerness, j'avais même pas vu ça d'ailleurs sur le petit dessous là, ils nous ont mis le petit logo Amsterdam, je suis très très content. Et le t-shirt du coup que j'ai fait faire en sérigraphie avec à l'avant le petit Sneakerness, etc. Et à l'arrière le logo que vous allez bien voir. Il y avait aussi du beige que j'aurais pu prendre, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus cool de prendre un kaki parce que j'ai pas forcément beaucoup de t-shirts kaki, voire zéro même. Et du coup, pour faire un petit bilan sur les, je vous avoue que je suis très content d'avoir fait le déplacement à Amsterdam, déjà de 1 parce que j'ai fait le voyage avec ma copine et que ça nous permet de visiter un petit peu l'Europe et tout, et c'est très cool. Et en plus du fait que la ville soit sympa, l'événement était aussi sympa, c'était hyper grand. J'étais très étonné même à certains moments durant la vidéo de me dire mais en fait j'ai fait 15 stands et il en reste encore 15 à faire, tu vois. Donc c'était assez grand, il y avait beaucoup de diversité, il y avait pas mal de Jordan 1 Low. Malheureusement j'ai pas acheté de paires parce que comme je l'ai dit, c'est assez compliqué d'acheter des paires à chaque fois. J'attends certaines paires qui vont sortir, dont la Jordan One Low Travis qu'on a vu dans la vidéo. Merci énormément pour toute la force que vous envoyez. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. La semaine prochaine, ce sera la 100e vidéo de la chaîne. On est en train de vivre une très belle aventure. On se retrouve comme d'habitude le vendredi à 18h. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao.